Moscou se prononce sur les appels US à boycotter le pétrole iranien. La Russie étudiera les aspects juridiques de la renonciation au pétrole iranien prônée par les États-Unis, a déclaré le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak. Washington menace de sanctionner les entreprises qui passeront outre ces injonctions. Le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, a déclaré aux journalistes que Moscou analyserait du point de vue juridique les appels américains à ne pas acheter du pétrole iranien. Nous avons un mémorandum avec l'Iran, MDLR, qui a été signé en 2014. Nous étudierons la situation du point de vue juridique, a-t-il précisé. Mardi, un responsable du département d'État américain a déclaré que les entreprises qui achetaient du pétrole iranien devaient y renoncer d'ici début novembre sous peine de sanctions américaines. Il a également précisé que l'administration américaine avait déjà transmis ce message aux pays européens et entendait faire le même appel à la Chine, à l'Inde et à la Turquie. Début mai, la tension est montée d'un cran autour du programme nucléaire iranien après la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de juillet 2015 annoncé par le président Trump le 8 mai dernier. Au terme de l'accord, l'Iran doit brider son programme nucléaire et ne jamais chercher à obtenir la bombe atomique en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales visant la République islamique. Donald Trump a également déclaré que Washington rétablirait les sanctions imposées à Téhéran qui avaient été suspendues suite à la signature de l'accord de 2015.